Salut tout le monde, c'est Jerry Storm. Nous voilà repartis sur le monde de nos amis les Tortues Ninja, bien sûr, dans un quatrième opus de la série sur notre bonne vieille Nintendo, mais cette fois-ci sur Super Nintendo. Alors quand vous voyez déjà cette jolie petite introduction, hein, vous constatez que graphiquement, c'est déjà beaucoup plus joli que les précédents opus, donc dans ce Tortue Ninja 4, Turtle in the Time. Vous allez certainement bientôt découvrir pourquoi un tel titre. Alors nous avons bien sûr le mode 1 joueur et 2 joueurs. Nous avons un petit time try et un versus. Donc je vais pas revenir trop sur ces deux modes là, time try et versus. Hein. Versus c'est un petit baston et time try il faut se dépêcher. Alors, on va tout de suite rentrer dans le gameplay. Hein. Donc vous avez déjà pu constater dès le début de la vidéo que c'est Konami qui se charge de, encore une fois de plus, d'utiliser cette bonne licence. Pardon. Alors, déjà, vous allez voir que techniquement, le jeu est vraiment, ce que je dirais, au top. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment la chose qui manquait à la série, c'était la capacité technique des machines. Alors, vous avez bien sûr les 4 tortues. Hein. On va aller reprendre, on va prendre un Donatello hein, avec son bâton. Donc vous voyez que les petites cutscenes sont vraiment très fidèles à l'ambiance de la série. Vous voyez que Krang a piqué la Statue de la Liberté et que Shredder fait un petit gros plan à la télé. Vous voyez déjà, rien que ça déjà c'est très très soigné. Alors vous allez voir que dans cet opus aussi, on a vraiment ce côté de la série où on affronte vraiment les personnages, les ennemis qu'on connaît dans la série, encore plus que dans les autres. Du moins, dans celui-là, je les connais tous. Alors, regardez techniquement, déjà, c'est très très joli. Au niveau des musiques, c'est très sympa. Hein. Toujours de très bonnes chansons. Alors, on n'a pas énormément de coups, hein, du moins pas beaucoup plus que dans les précédents opus. Mais vous voyez ce qu'on peut faire. On peut projeter les ennemis carrément dans l'écran. Ça c'est vraiment une des petites choses très sympas. Alors bien sûr les grands classiques, hein, les ninjas, enfin le foot clan, hein, j'en ai fait. Donc ce sont les sous-fifres de l'ami Shredder. Hein. Alors chaque couleur bien sûr comme d'habitude c'est une classe différente des ninjas. Donc, voilà, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Vous voyez des petits effets visuels vachement sympas. Je dois dire que cet épisode, franchement, à l'époque, waouh! Déjà, à l'époque, le deuxième m'avait fait bonne impression. Le troisième, je l'ai pas connu à l'époque, malheureusement. Je suis directement tombé sur le quatrième. Mais c'est vraiment, l'évolution parfaite de la série. Alors, à savoir qu'il y a aussi un jeu à peu près similaire sur l'équivalent de la Super NES de chez Sega. Je sais pas pourquoi je n'arrête pas de me faire choper comme ça. Donc ça saute dans tous les coins, c'est du bon. Alors petite nouveauté par rapport aux 3 derniers opus, vous allez voir que le premier boss n'est pas l'un des 2 acolytes de Shredder. Ah oui, je vais tout le temps enlever le suspense. C'est pas trop grave, allez. Je vous ai gâché la surprise. Non. Allez, petit effet d'explosion, c'était pas mal. Ouais, encore une fois. Alors, vous voyez, là, c'est Krang. Hein, avec ses lasers. Alors, si c'est comme dans le dessin animé, il a utilisé une carte spéciale pour... Parce qu'en fait, il est dans un robot, c'est un cerveau qui vient de la dimension X, et en fait, bizarrement, ils ont mis le cerveau dans un robot et dans l'estomac. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et en fait, il avait mis une carte spéciale pour agrandir le robot. C'est
pas tout à fait un robot, c'est un genre de cyborg. Moitié humain, bah oui, cyborg, hein. Enfin bon, voilà. Au niveau du gameplay, hein, pas une grosse évolution. Toujours quelques petits coups. Pour prendre de la vie, bien sûr, on a toujours les bonnes vieilles pizzas. Hein. Quand ils prennent une pizza, un petit pizza time. Ah, j'adore ça. Alors, on va tomber sur le boss. Donc, c'est Baxter. Donc, c'est le fameux pote à Shredder qui est en fait un genou de tissu, un truc comme ça. Et en fait, par une petite inadvertance, il s'est retrouvé moitié mouche, moitié homme. Hein. C'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur mélange qu'on aurait pu espérer, hein, le pauvre. Ah là là. Donc, toujours le même truc, hein, du style plus on touche adversaire, plus il brille. Hein. Donc ça c'est des choses vraiment très classiques de la série. Franchement une grosse réussite, hein, sur cet opus. Toujours beaucoup de fun. Oui, mais non, il n'arrive plus à voler. Ah, c'est bizarre, le flingue tapette à mouche, je sais pas quoi. Ah, vous voyez, sa vie, c'était les gros rectangles. Alors, à tout moment, le deuxième joueur peut appuyer sur Start et rejoindre la partie. Pas mal si on a quelqu'un qui vient comme ça à l'improviste. C'est un superbe jeu. Et voilà.